Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Chaudement, mais ça va. Je vous avoue qu'il fait très chaud dans ma pièce. Je vais mettre le ventilo après. Alors, j'ai reçu par rapport à mes échanges. Alors, j'ai déjà reçu celui de Dominique que j'ai pas encore mis en ligne. Mais là, je vais m'occuper des vidéos que j'ai à mettre en ligne parce que j'en ai, mais je ne l'ai pas fait par flemme. Donc là, j'ai reçu celui de Nathalie Chopin. Je regardais s'il y avait son pseudo, parce qu'il me semble qu'elle a un pseudo. Je ne sais plus. Et voilà. Donc là, j'ai un petit là-haut. J'allume pas la lumière, je vais regarder. Je pense que vous voyez bien, quoique. Je fais attention, je suis à pieds nus. Désolée si vous bouscule. Alors. Bon, ça devrait aller mieux. On va commencer par un marque-page. Checker. Avec plein de petits cœurs dedans. Très joli. Je le mettrai dans mon bouquin. C'est des thrillers que je lis, alors mettre des petits cœurs dans un thriller, mais bon, c'est ce que j'aime, donc voilà. Ensuite, donc c'est à propos des cartes. Alors j'ai ça qui arrête pas de venir, je sais pas. C'est des petits timbres qu'elle a fait. Et tout mini. C'est vrai que c'est très joli, il faudrait que j'essaye. Et là, je vais vous montrer les timbres. Donc, c'est comment? Les cartes de Domi. Fait le 31 mai 2023. Insta photo 1 sur 1 de Nathalie Chopin. Créative. Donc, elle m'en a fait deux. Le thème, c'était couture. C'est l'autre, hein, la couture. Il est très joli. C'est vrai que je pense pas mettre du relief dessus. Merci beaucoup, il est beau l'appareil photo. Et celui-ci, c'est couture 1 sur 1. C'est Nat Créative, voilà, il me semble bien qu'elle avait un pseudo. La chaleur me fait tout oublier. Donc elle a mis ça dans une pochette où il y a du papier vellum. Il y a trois pochettes, donc il y en avait une pour chaque chose. Un petit papillon unique. Ça, c'est du masking tape. De petits papillons. Je sais qu'elle aime bien. Donc, vous voyez, Nat Créative. Hop. Elle aime bien Stampin' Up, Nathalie, si je me trompe pas. Donc là, je vais remettre ce petit truc comme ça. Et là, c'est son petit mot. Oui, je vais bien, merci. Oui, je les aime beaucoup, elles sont très jolies. Regardez son papier là. Je sais pas si c'est tamponné ou si c'est des petites cartes faites exprès. Beautiful Day. Merci beaucoup. Et on va regarder dans la petite enveloppe. Donc c'est une petite enveloppe boîte qu'elle a fait elle-même. Et là, il y a sa carte. Est-ce que je vais réussir à la retirer? Hop. Alors comme il y a son adresse et tout ça, hein, on va éviter de trop montrer, mais j'aurais bien voulu montrer le devant. Alors attendez, je regarde s'il y a quelque chose que je fais mal. Hop. Je pense que ça s'est collé. Hop. Mais je vais réussir à la ressortir. Hein. À moins que ça soit fait exprès, je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà. Et bah dis donc. Donc, elle a fait une pochette comme ça avec une encoche pour pouvoir y glisser sa petite carte. Deux demi-scratch. Une petite, j'en ai encore ça. Pastille, on va dire. Et ça, c'est du ruban adhésif. Et voilà sa jolie carte. À
avec ses coordonnées. Ces nouvelles coordonnées, ça tombe bien parce que j'étais en train de préparer. Je sais que je suis longue, mais j'avais des découpes à faire. Mais comme je ne scrape pas en ce moment, ben voilà. Et là, je me suis dit, ben, y a pas, il faut le faire. Voilà. Le petit timbre, je vais le mettre là. Il est trop mignon, ce petit mini timbre. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors, Nathalie, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, mon envoi va partir, je pense, semaine prochaine. À part que, vu que ça part par la poste, il me faut un jour où je puisse y aller. Et là, mercredi, c'était surbooké. J'avais des rendez-vous. Ce matin, pareil. Il fallait que j'aille chez le coiffeur. Il y a des jours où, voilà, on n'a pas le choix. Puis après, la poste est fermée. Donc, voilà. Et je pourrais le faire en ligne, mais ça n'ira pas non plus. Enfin bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Mais en tout cas, je te remercie. Je vais mettre ça dans l'enveloppe. Parce qu'il va falloir que je trouve un système pour les ranger. Donc, si ça vous intéresse de faire un échange, je crois qu'il en reste deux à l'échange avec deux cartes. Les numéros, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y en a un réservé à Dominique et un réservé à Nathalie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Nathalie.